arrêter comme ça, mais j'aurais besoin de votre aide. Il y a quelqu'un qui ne va pas, madame? Mon char a stallé puis il ne veut pas partir. Ah, tu tombes à pic. Je connais la mécanique. Je suis plusieurs garages. Peux-tu aller jeter un coup d'œil, hein? Il est bon. Hey. Ah, t'avais pu en avant, t'as qu'à flashlight. Ouais, le bonhomme, il a trouvé ton truc, le fil du gars, il est débranché. Ouais. Ça, c'est pour enfourrer ton nez dans les affaires des autres. Et tu me partais, je dirais rien. T'as raison, tu diras rien. Mon nom est Roger Lécuyer.
Je suis propriétaire de la brosse. J'ai l'impression que vous préparez une fête. Je ne voudrais pas déranger. Vous ne dérangez pas du tout, monsieur. Vous êtes le bienvenu. C'est la première fois que vous venez ici? Oui. Vous avez affaire dans le bout. Comme ça, vous êtes en affaire. Le genre d'affaire. Ben, exterminateur. Je débarrasse mes clients des vermines, des puces, des cocktails, tout ce qui dérange. Ben, t'as pas besoin d'en chercher ici, t'en trouveras pas. T'as le beau métier, ça paye? Ça dépend des contrats. Des fois, je dois aller chercher loin. Et plus c'est loin, plus ça paye. Comme j'ai dit tout à l'heure, je veux pas déranger. De toute façon, il faut que je parte. Pourquoi tu restes pas avec nous autres? Hey, je comprends pas, Joe. De toute façon, t'as pas le choix, tu restes. Les deux smats sont là pour nous en assurer. Hey, dis à tes deux smats de te clairer à la place, OK? Moi, les deux smats. Pas mal pesant, ton paquet de cigarettes? C'est avec ça que tu tues ta vermine? Qu'est-ce que vous me voulez? Vois-tu, c'est pas bon partir. Pourquoi pas? C'est parce que toi, t'es l'adversaire. Adversaire de qui? Ben, du champion, cette affaire. J'ai-tu de l'aide d'un champion, moi? T'as déjà entendu parler d'abord du samedi soir? Ici, t'en as mieux que ça. Le premier qui rentre ici le samedi soir après 9h, devient l'adversaire du champion. Toi, t'es rentré à 9h03. J'ai pas l'intention d'être l'adversaire de personne. Vous m'obligerez pas à me battre. C'est pas nouveau, y'a pas personne qui était volontaire. J'ai le dernier résultat. Je pense que ça va t'intéresser. Bande de sales. Vous vous en tirez pas comme ça. Hey, y a d'autres ici qui parlent. Les trois quarts du monde engagé que tu feras avoir dans les deux premières minutes. Le restant du monde pense que tu pourrais peut-être courir assez vite pour rester en vie au moins 3 minutes. Moi, je pense que tu vas te faire avoir dans les premières 30 secondes. D'ailleurs, je me suis réservé le billet. Hein? Vous êtes tous trompés. Parce que c'est moi qui vais gagner. Ah, t'as décidé de te battre? On dirait bien que c'est le champion qui vient d'entrer. Mais si je gagne, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on dirait que tu deviens le nouveau champion. Tiens, pense qu'on t'appelle. Faudrait pas faire attendre ton public. Ah ouais, t'entends pas qu'on t'appelle? J'ai presque oublié, c'est quoi ton nom? Guy Bérard. Puis souviens-toi-en parce que ça se terminera pas comme ça. Adieu, Guy Bérard. Ça y a rien contre la foule parce que tu vas être disqualifié.